on dit même plus bonjour. Désolé, je suis pas d'humeur. Donc t'as les thunes. 300, ce qu'on est convenu. Pourquoi tu joues? Écoute gros, on se connaît depuis qu'on est gosse. Alors il faut que je te prévienne, cette merde, c'est pas bon pour toi. Parce que tu crois savoir ce qui est bon pour moi? Non, mais... je sais que je lui te manque et qu'avec ça, tu vas essayer de la revoir. Il faut que tu passes à autre chose. Elle est partie. Allez, tiens. Juste fais gaffe à toi. Mais reste pas planté là, viens t'asseoir. En tout cas, je vois que t'as toujours aussi bon appétit. En même temps, il est tellement bon, il est exactement comme dans mes souvenirs. Et ton père, comment va-t-il? Toujours égal à lui-même. Ouais, je vois. Non mais dis donc, tu n'es pas censé aller au parc, toi? Ah si, c'est vrai. Il faut que j'y aille. Merci, maman. À bientôt. J'aime tellement ce livre. Vraiment? Oui, il est tellement... tellement... surprenant. Exactement. Je suis entièrement d'accord. C'est la deuxième fois que je le lis et je m'en lasse toujours pas. T'as aimé la fin? Bien sûr, je m'y attendais tellement pas. Et en fait, je crois que je me suis vraiment attaché au héros du livre. J'arrive pas à croire que tu m'abordais de cette façon. Je sais, j'étais ridicule. Tu t'en rappelles? Comment oublier? Attends, tu m'as laissé parler moins 5 minutes avant de m'avouer que tu connaissais pas lire et que tu m'avais menti juste pour m'aborder. Ouais, ok, j'aurais peut-être pu trouver mieux comme technique d'approche. Mais au moins, on a pu discuter. Ouais, et puis tu vas bien faire. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Tu t'en sors tout seul? Quoi? Tu penses que je peux pas me débrouiller sans toi? Si, si, bien sûr. Je me demande juste si t'arrives de cuisiner autre chose que des pâtes au beurre. Mais bien sûr. Hier, par exemple, j'ai fait des pâtes à la carbonara. T'aurais été fier de moi. Waouh! Quel progrès! C'est vrai que c'était mieux quand tu étais là. Tu n'as plus à t'inquiéter. Thank you.
penser. Qui ça pourrait bien être? Une personne que tu aimes beaucoup. Martine? C'est qui cette Martine? Ça va, je te taquine. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici? Tu te rappelles pas? C'est ici qu'a eu lieu notre premier rendez-vous. Ah oui, c'est vrai. Ah, je me rappelle, t'étais tellement stressée. Mais ça te donne un côté vachement mignon. Dis-moi, pourquoi rêver des moments qu'on a passés ensemble alors que, je sais pas, tu pourrais imaginer tout ce que tu veux? Parce que ces moments, tous les deux, représentent tout pour moi. Et je veux que, d'une certaine façon, ils durent éternellement. Je sais pas, toi, mais moi, j'ai très envie d'une glace. Pas de nouvelles et ça m'inquiète. J'espère que t'es pas en train de faire de conneries. Appelle-moi s'il te plaît. Julie, quelle surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? Mike m'a prévenu que tu n'allais pas très bien et qu'il n'avait pas de nouvelles de toi depuis plusieurs semaines. Alors, t'inquiète pas, je vais bien. Tu peux entrer? Ouais, vas-y. Fais pas attention au bordel. Hein. J'avais prévu de ranger, mais... Si j'avais su que tu venais, j'aurais... Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'aurais pas dû venir. Je voulais pas. Je m'étais juré de plus jamais te revoir, mais là, je suis vraiment inquiète pour toi. Écoute, j'ai réfléchi à notre séparation et à ce qu'on avait vécu. Et je sais que ça va pas être facile pour toi de me pardonner, mais je me disais que peut-être on pourrait tout effacer puis recommencer. Non, tu sais très bien que je peux pas faire ça. Pourquoi pas? Après tout, on était heureux ensemble. Pense à tous ces moments qu'on a vécu, tout ce qu'on a fait tous les deux. C'était il y a un an. Faut que tu passes à autre chose maintenant. Mais j'ai pas envie de passer à autre chose. J'ai qu'une seule envie, c'est d'être avec toi. Parce que je t'aime comme un fou. Et je sais que toi aussi, tu m'aimes. Non, je t'ai beaucoup aimé, certes, mais plus maintenant. Puis j'ai rencontré quelqu'un. Non. Non, non, tu mens. Je sais que tu mens. C'est pas possible, t'as pas Écoute-moi. Pu rencontrer quelqu'un d'autre. Je sais que c'est moi que tu aimes. Non. Je le sais. Ne fais pas comme si c'était rien passé tous les deux. Arrête. Je sais que c'est moi que tu l'aimes. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Tu comprends pas ce que je suis en train de te dire? Je t'aime plus. Si je suis venue, c'est seulement parce que tu as un jour beaucoup compté pour moi. Mais rends-toi bien ça dans le crâne. Je t'aimerai plus jamais. Je pense que t'as besoin de l'entendre. Parce qu'il est temps que tu passes à autre chose maintenant. Toi, moi, ce qu'on a vécu, c'est du passé. C'est parti. Ça reviendra plus jamais. Thank you.
Je t'aime.